Il est super fin, le gars. Il vient d'Argentine. Il voyage pendant un an. Il essaie de nous embarquer sur le pouce. Il n'y avait pas de place dans son char. Oh my god! Bye bye! Quelqu'un vient de nous embarquer sur le pouce, puis on vient de frapper une tempête de sable. Au Québec, c'est des tempêtes de neige. Puis ici, ben c'est vraiment une tempête de sable. Le sable, il roule partout. On le voit passer, c'est de la poudrerie en sable. Il faut que je vous explique. Quand on est au Pérou en juillet, ici, c'est l'hiver. Alors, il faut s'habiller. Le matin, il fait pas mal froid, comme 3 à 8 degrés. Et à partir de 10 heures, ça se réchauffe. À midi et 13 heures, il peut faire jusqu'à 28 et 30 degrés. Et après, ça redescend. Vers 5-6 heures le soir, le soleil descend et on remet nos manteaux. Je commande, là, c'est un nuage, pas de la neige. C'est tellement hot. C'est un nuage de l'autre bord. On a fait du push jusqu'à Chaland, puis à Chaland, on a réussi à avoir un billet d'autobus de nuit pour se rendre à Arequipa. Alors voici la mer, super belle mer, qu'on voudrait juste aller toucher sans qu'elle est gelée, vraiment gelée. Mais on peut pas parce que, je sais pas si vous voyez, il y a des millions de poubelles partout. C'est vraiment à pic. Puis ça sent la pisse. Ici, là, vous avez pas les odeurs qui vont avec, ok? Parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regarde de même, ça fait super. Puis une fois rendu à Chaland, Dess a commencé à avoir une sensation de brûlure dans la vessie, puis on est allé consulter une pharmacienne du coin avec Google Translate. Elle lui a vendu des pilules, puis elle lui a dit de consulter rapidement dans un hôpital. Le trajet vers Arequipa en autobus a pris près de 8 heures d'autobus. On était pas mal entassés, puis on avait des billets ordinaires assis. Parce que ça existe des billets où les bancs se penchent, qu'on peut dormir, mais nous, on a pris ce qui restait. Puis les toilettes débordaient, et Dess a commencé à se sentir vraiment malade. Il y avait de la misère à aller aux toilettes. Je passe les détails. J'ai l'approbation de mon patient. Il est malade. Demain, tu vas rester tranquille. Dess a rapidement été vu, puis ils ont déterminé qu'il faisait une infection urinaire. Donc, ils lui ont donné des injections que je devais lui donner moi-même. Alors, c'est quand même assez rare au Québec qu'on donne des injections quand on n'est pas infirmière. Juste en face de l'hôpital d'Arequipa, il y a plein de commerces funéraires. Hey, salut! On est à Arequipa, on n'a pas dormi beaucoup de la nuit, on a passé la nuit sur la corde à linge, couché tout croche dans un autobus. Et là, on se promène dans Arequipa et on vient de voir des petits œufs de caille. Des petits œufs. C'est tellement bon, ça goûte l'œuf ordinaire.
Ben là, tu veux que je croque dedans de main, là? Oui, oui. Ok, regarde-moi. Oui? Ben c'est ça. La madame, elle voulait pas que je la prenne en photo, elle voulait pas que je la filme, fait que... Ben oui, toi! Je t'ai en porte-clés! Ben là, on dirait qu'il y a rien, là. Porte-clés! Oui, c'est comme au-dessus, ça. Hey! Ben oui, il y a des lamas bruns. On envoie juste des blancs d'habitude. Mais c'est des lamas ou c'est l'autre qui donne le... Non, c'est des lamas, ça. Remonter dans la tour, là, ils vont monter. Il y a comme un plateau en vitre. Ils vont l'attacher et ils vont le pendre en haut. Puis s'il est tannant, ils vont le laisser en haut. Allez, fais ton. Les pantoufles de Père Noël. C'est ça. On s'est mis à visiter la ville et il y avait au milieu de la place Yanawara, un mirador de cristal, dans le fond en verre. Puis ça montait jusqu'à 50 mètres de haut. Alors, Dess voulait vraiment le faire. Puis moi, ben, j'aime pas bien ben ça monter en haut. Oh, il monte pas plus haut! Oh, ça monte, ça monte. Il prend des photos, c'est bon. On peut voir plusieurs volcans comme le Chachan et le Picchu Picchu. À moins de 20 km, c'est tout proche, on voit le volcan Misti. Ce volcan-là est maintenant considéré comme le plus dangereux car il s'est réveillé depuis 2016 et il pourrait menacer 200 000 personnes qui habitent tout proche. Pendant que Dess était en haut, moi, il y avait un petit marché à côté, un marché de local. Puis j'ai commencé à regarder, je voulais avoir une tuque vraiment faite par quelqu'un de là-bas. Parce que souvent, les
les articles qu'on retrouve là-bas sont faits en usine. Alors oui, j'ai trouvé quelqu'un, puis j'étais vraiment fière d'avoir trouvé une sucre, puis en même temps d'avoir encouragé l'économie locale, puis j'ai pas eu à monter. À la tombée de la nuit, Arequipa, qui est nommée la ville blanche, est magique. Et la Plaza de Armas est toute illuminée. Outro de 73 nešto. Peruvijensko vreme. Казаха да в 3 между 3 и 3:30 ще дойдат да вземат от хотела. Ама не казаха дали ще и 3 часа в България или в Мексико или в Перу. Се чакаме си тук навън къде. Чакаме си. Ето тук е хотела. Как ще го намерят, не знам, няма никаква табела. Те се знаят. И ние си чакаме, пък си студеничко. И си чакаме. Ай, до скоро. Parfait ça. Hey, j'ai même un caméraman un matin. Alors, demandez-moi pas la date. On est à Arequipa, 3h du matin, 3h15 du matin. Pas faire de bruit, mais c'est pas grave ici, klaxonne pareil, il y a des autos qui passent. Qu'est-ce qu'on doit bien faire à 3h du matin, dehors, devant notre hôtel, à attendre, puis à poireauter? Hein? Ben là, il n'y a plus de lumière, là. on attend, oui, pour la première fois, on a pris une visite guidée. Alors, un petit autobus de touristes vont venir nous chercher, puis on fait la visite aujourd'hui du canyon de Colca. Alors, c'est le deuxième plus grand canyon au monde, après, je ne sais plus lequel, mais il est plus grand que celui du Grand Canyon des États-Unis. Ensuite, ben c'est ça. Alors, on attend, ils nous ont dit « Préparez-vous à 3 heures ». Mais on peut passer à 3 heures jusqu'à 3h30. Ils ont dit « Restez à l'intérieur ». Sauf que, ben c'est parce qu'à l'intérieur, ici, là, c'est des portes en métal. Fait que comment ils vont faire pour venir nous chercher à l'intérieur? J'ai dit à Dess, on est mieux de s'habiller puis d'attendre juste à l'extérieur. Fait que il est 3h20 puis on attend. Dess il dit appelle-les. On va attendre, ça donne rien. Là, ils ont l'adresse de l'hôtel, ils ont tout. Fait qu'on fait juste attendre. On va aller visiter le canyon avec tout ce qu'il y a à voir. Puis on a un déjeuner d'inclus gratuit. Bye. Arnaque numéro 1. On est en chemin pour le canyon de Colca. On a payé 60. On a payé 60 sols pour embarquer dans l'autobus, voyage guidé, nanana, déjeuner inclus. Puis dans l'autobus, on nous demande un autre 70 sols parce que supposément que ça prend un billet d'entrée pour le canyon. Sauf que personne ne nous avait dit. Elle nous avait dit que ça nous prenait un billet. Sauf que le billet, on avait dit qu'on voulait aller voir Cusco, on pensait que c'était le même billet touristique. Ben non, on ne peut pas en tout. Fait que là, on a été obligé de payer dans l'autobus 70 sols, qui équivaut à peu près à 30-35$. Puis la madame n'a pas l'air contente de devoir parler français, même si nous avait dit qu'on aurait un taux français. Elle parle juste espagnol, puis quand elle parle français, ben elle n'est pas contente. Fait que j'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises comme ça, parce que sinon je reste dans l'autobus. Tu as quelque chose à dire? Non, j'écoute ça. Hey, on vient juste d'arrêter au Mirador naturel Cruz del Condor. En d'autres mots, le Mirador de la Croix du Condor. Puis c'est une place où on peut très bien voir le canyon, mais aussi l'une des meilleures places qu'on peut voir les condors des Andes, qui, en passant, ils nous disent qu'ils peuvent atteindre 3,5 mètres. Ça, c'est long! Hey, allô! J'ai même pas peur! T'es trop rock. Ouh, je suis baroque. Oh my god. C'est quoi,
respirer assez profond. Il est parti avec le condor. Le condor, ça part là, ça. Il y a beaucoup de touristes. Oui. Les condors, c'est tout un oiseau, hein? Dans le fond, là, c'est des grands vautours. Puis, ils s'alimentent pas d'humains, ben non, ils s'alimentent de charognes. Toutes des animaux morts, des lamas, des alpagas. Puis, si jamais ils sont mal pris, ben, ils vont prendre les moutons et les bœufs qu'ils trouvent morts. Puis, quand le condor est vraiment affamé puis qu'il n'a pas mangé depuis longtemps, ben il peut s'attaquer à des animaux vivants. Je sais pas si nous autres, on fit dans le menu. C'est comment? C'est très sûr. C'est ça qu'elle a mangé? Oui. Et c'est? Sûr. Sûr, sûr, sûr? Ah, sûr, peu que je sors. Oh, est-ce que tu es sûr? Ok. Je n'ai jamais mangé quelque chose de sûr dans ma vie. Ok, on va faire version numéro 2. Je suis prête. Hein? Sûr. Vas-y, c'est, ça s'appelle c'est Coca. Coca Sour. Coca Sour. C'est quoi ce pur? J'ai déjà mangé pur. Ah oui? Oui. Des prunes vertes en Bulgarie. Ah oui, c'est bon. Oh, tu me déçois pas, je pensais que tu avais fait. Non, une lime, c'est beaucoup plus sûr que ça. Ah oui? Bon, ok. C'est quelque chose qui est. Pisco. Ça s'appelle. Pisco. Colca. Colca sour. Ouais. C'est fait avec. C'est plus douce, c'est qui est. Oui, mais c'est la glucose poilue avant. Puis ça fait comme un kiwi, mais my god, ça goûte pas le kiwi. Gracias. Tu veux du goûter, chérie? Chinoise, pas là? Mais oui, ça filme. Déjà. Papier. Papier. Oh, bon gorgé, là. Pour moi, là, a mis du sucre là-dedans. C'est mieux que ce qu'on avait goûté là-bas. C'est bon. C'est bon. Pas pire, hein? Oui, c'est comme un kiwi qui est pas mûr. Et kiwi pas mûr, ouais. Pas mûr. Avec un petit peu de raki là-dedans. Viens là-dessus, ouais, là-dessus. Je sais pas où tu prends des photos dans ton affaire. Tu aimes ça? Oui, je vais goûter certains. Un petit peu.
Ah oui. Et ça, c'est-tu quoi? C'est un lama avec poil qui s'appelle. Eh bien, un alpaga. Alpaga, oui. Tu peux toucher l'alpaga. Mais attention, il va te cacher dessus. Une petite vidéo. Je suis monté un petit peu plus haut que les autres quand on a arrêté parce que je voulais voir c'est quoi la fumée qui sort juste derrière moi. Et c'est un volcan. Un volcan. Je ne sais pas le nom, mais on va le voir plus tard. Je suis assez loin quand même. On vient juste d'arriver à Chivé, puis là-bas, on peut voir des terrasses qui ont été construites autour de l'année 500. Puis, c'est tellement long, ça va jusqu'à 8000 hectares. Hein? Allô, on est encore dans notre visite de Kulka Canyon. C'est vraiment beau, mais très haut. Alors, on nous a offert d'aller se baigner dans les sources thermales pour 15 sols par personne. Mais le problème, c'est qu'on reste juste une heure. Le temps de se déshabiller, de s'habiller, de sécher. Je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Mais on va y aller à Cusco. Quand on va aller à Cusco, on reste deux nuits à Agua Caliente. Puis il y a des belles sources thermales. Donc, on va aller là. Fait qu'à la place, on a pensé de monter la montagne. Mais on est très, très haut. Mon chum est en train de monter, je ne sais plus là, mais oui, anyway, il est en train de monter en haut. Il a l'air d'avoir comme un volcan en haut, de la boucane, puis il voulait voir c'était quoi. On est 4000 mètres d'altitude à peu près. Alors, très, pas mal épuisant. On monte, monte à peu près 15-20 pas, puis le cœur te débat là, c'est comme fuck, on dirait qu'on a... On dirait vraiment qu'on a monté en courant. Puis là, le temps de reprendre son souffle, c'est encore long aussi. Tu reprends ton souffle, tu arrêtes deux minutes, mais c'est plus que deux minutes, c'est deux, trois minutes. Là, ton cœur commence à battre normalement. Puis là, tu refais un autre petit bout, mais ouh, c'est ça, l'altitude, je pense. Mais ça va quand même très bien. Alors, chaque step, ils appellent ça les terrasses. Chaque step a été fait la main, par la main d'un homme, la main d'un Inca, il y a mille quelques ans. Ça a toujours resté. Imaginez-vous le travail. Le travail, c'est pour cultiver, pour que les animaux puissent marcher. Alors, ouais, on est très, très haut. On voit-tu les personnes en bas, là? Checky, là, je ne sais même pas son où. Ouais, il y en a une personne. Ça, c'est pour monter la hauteur. Alors, il y a beaucoup de terrasses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même là-bas. Là, on peut voir, là. Il y a des terrasses partout, 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 partout. Moi, j'avais des doutes, là, mais la madame a dit non, non, non. Je pensais que c'était comme naturel. À un moment donné, tu dis, il y en a tellement. Écoute, ça peut pas être toute la main d'un homme, là. Mais oui. Fait que j'imagine qu'il y a plusieurs générations ici qui sont morts à faire des terrasses. Ok, fait, je vais partir à l'altitude, 4000 mètres, on doit être près du 4000 mètres. Je rectifierai en écrivant exactement la hauteur. J'ai monté à peu près 6-7 pas, j'ai déjà essoufflé. Fait que, ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. Fait que là, je pars. Fait que, 1, 2, 3, 4, 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Ça se passe pas, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, ça commence, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ok, j'étais à 60 pas. 60 là, besoin d'un break déjà. Fait qu'un petit survol là, qu'est-ce qu'on est?
j'imagine, en altitude comme ça, c'est bien moins dur à descendre. Tu pognes une débarque puis t'es rendu vite en bas. Pas le temps d'être essoufflé. C'est une farce, là. Fait que je vais reprendre mon souffle puis je vais refaire un petit peu de pas, là. Je vais surprendre mon chum. Il pense que je suis restée assis puis je bouge pas. J'ai déjà blogué en montant. Vas-y encore. OK, je blogue. Ma tante est assise. Elle a réussi à remonter jusqu'en haut. Là, ma tante québécoise, là, est assise sur une bûche, sur une roche. Puis elle reprend son souffle parce qu'elle a monté plus que 60 poids. Oh! OK, je suis correcte. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça vaut la peine? Oui, mais j'ai pas fait encore le tour, là, parce que je t'ai foiré. Mais... OK. Faut que je me dépêche parce qu'il reste le temps, c'est cool. Oui. Wow, nice, hein? C'est magnifique. Tu as fait des vidéos? Oui, je filme présentement aussi. Il y a un volcan. Les organisateurs du voyage organisé de la journée viennent de faire un arrêt dans un petit restaurant typique, mais nous, on n'était pas prêts à dépenser plus d'argent pour se payer un resto. Alors, on s'est emmené des sandwichs pour se faire un petit pique-nique à terre comme ça, après ça à l'improviste. Peut-être après, il va sauter sur toi pour vous avoir encore. On va te donner à la fin. Okay? De toute façon, les chiens sont toujours supposés de manger à la fin. Ah oui? Non. C'est pas wow, là, mais... Non, c'est pas wow, non. Où le fromage? Il est où, le fromage? Il est où? Il est où? Il est où, le fromage? Il est où? OK, c'est fini. Tu avais le droit de 30 secondes, tu es au large. Mais non, mais c'est parce qu'ils vendent ça comme ça, OK, c'est pas cher. Mais il, au moins, le pain est frais. Très moelleux. OK. Pour moi, ils ont juste badigeonné ça d'œuf. Comment? Pour moi, ils ont juste mis de l'œuf dessus, ils l'ont mis dans le four, puis ils disent que c'est du fromage. Non, il n'y a pas de fromage, là. Ah ouais? Mais oui. Ça ne goûte pas partout. Mais c'est un fromage spécial qui ne goûte pas pareil. Merci. Tu crois que c'est meilleur avec les clémentines? Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, je vais t'en donner. Clémentine ou... Quelque chose à dire? Coupable! Coupable! Oh! On vient juste d'arriver au col de Patapampa. Puis c'est très très haut, puis il fait très froid. On est à peu près à 4910 mètres d'altitude exactement. C'est un des points les plus hauts qu'on a visités. Au loin, on voit des zapachatas. Dans le fond, c'est des tas de petites pierres empilées que les gens ont mis. Puis c'est supposé d'attirer les faveurs des divinités des montagnes. Puis quand on regarde ça, on a l'impression qu'on est sur une autre planète, qu'on est sur la Lune, je sais pas, c'est complètement désertique. Puis il y a des milliers et des milliers d'inukchuk que toutes les gens ont fait. J'imagine qu'il y a une bonne signification religieuse ou de croyance là-dessus. Je vais vous laisser mon impression. J'ai l'impression qu'on est dans une place complètement désertique, froid. Il n'y a pas personne qui habite ici. C'est complètement isolé, désertique. Les seules personnes qu'il y a, c'est des petits marchands qui vendent leurs trucs locaux. C'est tellement désertique, il n'y a pas un chat. La seule affaire, c'est qu'il y a beaucoup de locales qui vendent des trucs. J'ai beaucoup de sympathie pour eux parce que sincèrement, il fait vraiment froid. J'ai ma tuque puis je suis vraiment gelée. Je vais les encourager en leur achetant une veste en alpaga puis un foulard que je vais pouvoir me mettre autour du cou parce que sincèrement, je ne sais pas si je vais passer la journée. Puis je les regarde avec leur petite robe puis je trouve qu'eux autres aussi, ils doivent avoir froid.
vraiment magnifique, immense. Ici, on peut dire qu'on est entouré de volcans. Tout au loin, on voit plein de sortes de volcans différents. Il neige! On est à presque 5000 mètres d'altitude. La Punta, hein? 4500. 4500. C'est pas chaud, là. Pas chaud, pas tout! Vas-y, commente. Hey, c'est des animaux! Oui, comment ça? Là-bas, là-bas, là! C'est pas, je sais pas, c'est pas des lapins. Ça court partout. Oh, oui! Hey, la neige! Vous êtes épaté de ça ou on n'en veut pas de la neige? Mais ici, c'est... On va aller chercher un bon papier pour manger. On va aller chercher un. Mais ça, c'est des alpagas. Oui. C'est une voie réserve nationale. Des alpagas. On ne peut pas aller les manger. On ne peut pas les manger. J'imagine qu'on ne peut pas les tondre. On ne peut pas prendre de la laine et arriver au Québec et se faire un oreiller. Je pense que c'est un mouton. On est pas mal proche là. Oh ben ça vient. Je suis la maman mouton. Des moutons, go mouton, mouton t'aime. Je suis la maman mouton. Mouton de laine, mouton ton chat. Regarde tu bébé. Viens bébé, viens. Vas-y, mais non, il n'y a rien là. Explique-moi la différence y a entre le lama et l'alpaga. Oui. Vas-y. Par exemple, you look for my hands. Oui. Par exemple, what it represents. It represents l'alpaga. Alpaga comme ça. However, it represents la lama. Lama. Bravo. How is it? Oui. Lama, lama. Alpaga. Alpaga et lama. C'est une très bonne explication. Wow. Много интересно, понеже се намираме на 3800 метра над морска височина. И това, което се вижда тук, има ерозия на почвата от вода. Все едно, че има океан тук. Океан, нивото си има на 3800 метра. И точно само тук, другите планини отстрани, това е вулкан, по него няма нищо. Което означава, че тази скала е много по-стара. Обаче никой не може да ми каже колко е стара. Даже според екскурзоводката, тази скала е образувана от изригването на този вулкан, което много не ми се вярва. Но това е. Lama. Oui, c'est plus beau que lama. Plus beau que lama. Alors, c'est à peu près ça. Dans notre prochain épisode, on poursuit notre voyage et on s'arrête à Puno. Je me transforme en infirmière pour soigner Dess
on visite des marchés extérieurs de fruits et de légumes. On fait la connaissance d'un Allemand qui nous embarque sur le pouce. Et le lendemain, on passe une journée avec lui et on visite le temple de la fertilité et on visite une porte très mystérieuse. Et nous sommes côté de Bolivie. Ça, c'est de la Titicaca. Bienvenidos à Bolivia. Si vous avez aimé notre vidéo, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. À la prochaine!